Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission en direct. On est le lundi 11 décembre 2023 sur Radio Ici et Maintenant que vous pouvez écouter partout dans le monde sur le site radioiciemaintenant.com sans oublier les différentes applications radio pour smartphone. Alors cet après-midi sur les ondes de votre radio, la Radio Ici et Maintenant, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Alali en tant qu'invité d'honneur. Bonjour Monsieur Alali, comment allez-vous ? Bonjour, tout va bien. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Je souhaite tout simplement rappeler à nos auditeurs et auditrices que Jean-Pierre Alali, vous êtes né à Tunis en 1939. Notre invité est un universitaire émérite, un journaliste de renom et un écrivain prolifique. Et oui, le professeur Alali, spécialiste en mathématiques, a marqué son empreinte académique en enseignant à l'université Paris 1 avant de se lancé avec succès dans une carrière journalistique. Alors il a occupé le poste de rédacteur en chef au sein de publications éminentes telles que La Terre retrouvée et Tribune juive. À ce jour, eh bien, il continue de collaborer avec plusieurs médias de renom, auteur de nombreux ouvrages, principalement axés sur le judaïsme et l'antisémitisme. Notre invité est également membre du bureau exécutif du CRIF. Jean-Pierre Alali, vous avez eu la gentillesse d'accepter notre invitation pour nous faire l'honneur de votre présence avec vos différents partages et votre regard d'observateur éclairé sur les récents événements. Donc ce sera vraiment très enrichissant, je pense, cet entretien-échange. Merci encore d'être parmi nous. Alors comme annoncé il y a quelques instants, cet après-midi, nous allons bénéficier donc de vos observations sur la situation actuelle au Proche-Orient. De plus, nous aurons aussi l'occasion d'aborder votre dernier ouvrage co-écrit avec Haïm Mussisson. Alors, on aura bien sûr l'occasion peut-être de l'accueillir également lors d'une prochaine émission sur Radio Ici et Maintenant. Pour amorcer notre discussion, Jean-Pierre Alali, pourriez-vous nous permettre de remonter un peu dans le temps afin de mieux vous connaître et par la même occasion de mieux comprendre l'exil des Juifs des pays arabes? Alors justement, pouvez-vous pour commencer nous en parler un petit peu plus, nous parler de votre histoire? Bien, écoutez, d'abord, je suis tout à fait éberlué par tout ce que vous savez sur moi. Je suis très, très flatté de ce portrait que vous venez de faire. Et par rapport à la question très importante des réfugiés juifs du monde arabo-musulman, c'est une question qui me passionne depuis mon exil moi-même de Tunisie. Vous savez, on parle beaucoup à l'heure actuelle des réfugiés palestiniens. On a parlé à travers les années de toutes sortes de réfugiés qui ont été consécutifs à des conflits dans le monde, hein, un petit peu partout, en Afrique, plus récemment entre la Russie et l'Ukraine. Et bizarrement, le problème des juifs réfugiés du monde arabo-musulman est pratiquement mis sous scellé, on pourrait dire. On n'en parle pas, alors que ce sont quelques 700 000 juifs qui ont été expulsés soit de manière violente, soit de manière plus, disons, plus subreptice, du monde arabo-musulman. Moi-même, dans le pays où je suis né, la Tunisie, où j'ai vécu, il y avait dans les années 50 quelques 120 000 juifs. Aujourd'hui, il y en a 1000. Donc, et c'est quelque chose qui est général dans le monde arabo-musulman. On a tendance à oublier ces réfugiés et à ne s'intéresser d'une manière un peu privilégiée et voire exagérée, à ne s'intéresser qu'aux réfugiés palestiniens. Oui, alors justement, ça va rejoindre
l'actualité du moment, mais pour mieux comprendre justement ce départ forcé ou l'exil des Juifs des pays arabes qui a notamment eu au cours du XXe siècle. C'est en effet un sujet complexe et qui soulève pas mal de questions, mais peut-être pouvez-vous nous dire ou nous rappeler tout simplement pourquoi les Juifs ont-ils quitté les pays arabes et quand et comment a eu lieu cet exil? Alors, si vous voulez, il y a eu deux catégories. Hein. Il y a d'une part les Juifs qui ont été vraiment chassés d'une manière violente. Ça a été le cas dans des pays, par exemple, comme l'Irak ou la Syrie. Et des pays dans lesquels on a, par des moyens beaucoup plus, disons, beaucoup plus tendres, mais quand même assez hypocrites, quand vous avez un pays qui impose, par exemple, que toute société détenue ou dirigée par un juif doit avoir à sa tête un co-dirigeant non-juif, enfin, un musulman, ça n'a l'air de rien, mais ça pousse les gens à l'exil en se disant « bon, on n'est plus chez nous ». Donc voilà, il y a eu des départs beaucoup plus violents dans certains pays, mais des départs plus, disons, plus malins dans d'autres. Donc voilà comment ça s'est passé. Et je vous signale qu'une structure internationale a été créée qui s'appelle JJAC, Justice for Jews from Arab Countries, qui est dirigée à l'heure actuelle par un rabbin américain qui s'appelle Abadi, et je suis moi-même l'un des vice-présidents de cette association, la JJAC. Alors oui, justement, au début, lorsque j'ai parlé un petit peu de votre parcours, je voulais préciser, mentionner que vous avez de nombreuses cordes à votre arc, et il se peut que voilà, j'en ai oublié quelques-unes. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ah non, pas du tout. Mais écoutez, c'est comme ça. Quand on est actif, on a tendance à se mêler un petit peu de tout. Et voilà, je reconnais que pour ma part, le nombre de sujets qui m'intéresse est assez important, et du coup je suis impliqué dans de nombreuses organisations, de nombreuses associations. Bien, bravo à vous. Alors, pour en revenir justement par rapport à cette question en lien aussi avec vos origines, quand on est justement juif, né dans un pays arabe et qu'on a en quelque sorte une certaine double culture entre la culture peut-être arabe et la culture juive, comment on vit et comment on perçoit ces différents conflits, ces différentes choses qu'on entend qui nous divise plus qu'autre chose? Non, écoutez, il n'y a pas de division. Nous, les Juifs originaires de Tunisie, on est à la fois intégrés dans notre nouvelle patrie, certains d'entre nous en France, d'autres en Israël, d'autres ailleurs, au Canada, etc. Mais on garde quand même un lien étroit et sentimental avec le pays d'origine. Vous parliez de casquettes. Je suis également vice-président d'une association qui s'appelle ATPJT, Association donc des arts et traditions populaires des Juifs de Tunisie. Et ça permet de maintenir un lien avec le pays d'origine. Sans oublier, bien entendu, le fait que j'ai, pour ma part, une passion de collection. Donc, je suis un collectionneur de cartes postales anciennes portant sur les Juifs de Tunisie. Et ça m'a donné l'occasion d'éditer de nombreux ouvrages sur ce thème. Le premier d'entre eux, édité au début des années 1980, s'appelle « L'album d'images de Gagou et Kamouna ». Gagou et Kamouna, ce sont les prénoms de mes grands-parents du côté de ma mère. Et donc, voilà, je crois qu'on peut à la fois être triste d'avoir quitté
quitter son pays natal et quand même heureux de maintenir un certain nombre de liens, même si aujourd'hui la gouvernance en Tunisie n'est pas très agréable, ça ne nous empêche pas de continuer d'avoir des relations avec la communauté juive, même si elle est restreinte à l'heure actuelle, donc 1000 personnes à peu près en Tunisie, mais également d'avoir des activités culturelles autour de ce thème. Pour vous donner un exemple, il y a quelques jours, dans une synagogue à Paris, nous avons célébré ce qu'on appelle la Hiloula d'un rabbin tunisien célèbre, le rabbin Hay Tayeb Lomet, et ça a été l'occasion d'évoquer la mémoire de ce rabbin particulièrement étonnant et célèbre, qui était à la fois un grand érudit et un grand consommateur d'alcool, d'alcool local qu'on appelait la boucha. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on maintient un contact continu malgré les aléas de l'histoire, un contact continu avec le pays d'origine. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes avec Jean-Pierre Alali sur Radio Ici et Maintenant, et nous continuons donc l'échange. Peut-être pas forcément nécessaire de le rappeler, mais bon, pourquoi pas. Il y a donc plus d'un mois, c'est le samedi 7 octobre au petit matin, que le Hamas a déclenché une séquence de tirs de roquettes particulièrement intensive contre Israël depuis le territoire de la bande de Gaza. Plus de 5000 roquettes auraient été tirées selon l'organisation palestinienne, 2500 selon l'armée israélienne. Des milliers de personnes ont depuis perdu la vie depuis l'offensive surprise du Hamas en Israël. Un drame de plus dans l'histoire de cette région, marquée depuis plus d'un demi-siècle par le conflit entre Israéliens et Palestiniens, de Jérusalem à la bande de Gaza. Jean-Pierre Alali, comment avez-vous pris cette information déjà par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, et par la suite on pourra parler aussi de tout ce qui s'est produit de ce conflit et de cette guerre qui continue. Écoutez, je crois que pour qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre, il n'y a pas d'autre mot que le mot de pogrom, hein, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu vraiment dans la région. C'est pratiquement incompréhensible à la limite. On n'arrive pas à croire que des hommes, car les personnes qui ont perpétré ces horribles massacres, ce sont des êtres humains, et on n'arrive pas à croire que ça a été possible. Alors évidemment, certains disent « c'est pas vrai, vous ne racontez pas la vérité », etc. Fort heureusement, il y a des témoignages dus aux caméras que portaient les assaillants eux-mêmes, et les récits qui nous sont rapportés, et d'ailleurs de plus en plus grâce aux personnes qui ont été libérées, on a des détails, disons, de plus en plus précis, des femmes qui ont été violées, des corps déchiquetés. Comment peut-on imaginer qu'on ait pu mettre un bébé dans un four et le griller comme si c'était une denrée alimentaire? Les gens ont été dépecés, à tel point que, vous savez, dans la tradition juive, il faut enterrer le corps dans sa totalité, et il y a encore aujourd'hui des spécialistes qui essayent de récupérer morceau par morceau et identifier des corps avec les méthodes scientifiques que l'on connaît actuellement, ADN, etc., avec les dossiers médicaux des personnes qui ont été tuées, pour essayer de reconstituer des corps qui ont été mis en morceaux, brûlés. Je crois que c'est quelque chose qu'on a rarement vu dans l'histoire de l'humanité. On a tendance à faire référence à la Shoah, mais
Je crois que même pendant la Shoah, il y a eu des massacres incontestablement, mais je n'ai pas l'impression que l'intensité des massacres, qui, bien entendu, du point de vue numérique, était beaucoup plus importante, puisque les Juifs ont perdu 6 millions de victimes, mais du point de vue de la façon de faire, de l'horreur de faire, je crois qu'on a dépassé même, à mon avis, la Shoah. Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'une certaine forme de guerre psychologique par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, mis à part ce massacre et la barbarie du Hamas vis-à-vis de la population et tous les juifs du monde, mais pas seulement, tout le monde a été choqué par ce qui s'est passé. Est-ce que, selon vous, voilà, c'est aussi, de votre point de vue, de la part du Hamas, une technique pour justement affaiblir psychologiquement les Juifs à travers le monde? Vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Le monde arabo-musulman, à de rares exceptions près, n'accepte pas l'existence de l'État d'Israël. Le fait que des Juifs aient pu recréer plusieurs milliers d'années après avoir perdu leur territoire et pu recréer un État juif, ça ne passe pas dans un très grand nombre de dirigeants et de populations du monde arabo-musulman. Et donc le Hamas fait partie de ces constellations qui ne supportent pas l'existence même de l'État d'Israël. Il ne s'agit pas de dire « nous voulons une partie du territoire » ou « nous voulons nous aussi avoir un pays ». Il s'agit d'éradiquer Israël. Et donc, tous les moyens sont bons pour ces gens-là. La violence, comme on l'a vu le 7 octobre, mais également la propagande, une propagande absolument démesurée, qui utilise les mensonges, qui utilise tout ce qu'on peut avoir comme méthode nauséabonde pour avoir des supporters. Et malheureusement, à travers le monde, il existe énormément de personnes qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants du problème et qui plongent vraiment sans savoir de quoi il s'agit dans une négation d'Israël, dans une haine d'Israël, qui participent à des manifestations sans savoir de quoi il s'agit. Or, il faut quand même rappeler les choses, hein. Vous savez, la volonté de rebâtir Israël n'est pas nouvelle, même si politiquement elle date des années 1920 pour ce qui est de la période actuelle. Il ne faut pas oublier que dans les prières juives depuis la nuit des temps, il y a la phrase « l'an prochain à Jérusalem ». C'est donc une volonté millénaire et qui a réussi à aboutir, et que ce soit sous la férule ottomane ou sous l'occupation anglaise, le sionisme a commencé après les écrits, bien sûr, de Théodore Herzl notamment, mais il y en avait d'autres, à prendre forme. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la proposition qui avait été faite à une époque de redonner un territoire aux Juifs contenait un territoire beaucoup, beaucoup plus grand que celui d'Israël actuel, quelque chose de beaucoup plus grand. Et petit à petit, les Anglais ont été amenés à inventer carrément le pays qui s'appelait la Transjordanie, lequel a annexé la Cisjordanie, mais personne ne s'en est soucié. Et petit à petit, on a restreint le territoire promis aux Juifs, et c'est le grand mérite de David Ben-Gurion à l'époque d'avoir dit « c'est pas ce que nous espérions, c'est beaucoup plus petit, mais on prend quand même ». Et c'est les Juifs ont accepté le fameux plan de partage fait par la Société des Nations, enfin l'ONU, alors que la totalité du monde arabe l'a refusé, y compris les Palestiniens. On dit toujours « il faut un État palestinien ». Il faut deux États. Mais la solution à deux États, elle existait dès les années 40, et les Arabes et les Palestiniens en particulier l'ont refusée.
Et chaque fois qu'il y a eu une opportunité de donner un État aux Palestiniens, les Palestiniens et les Arabes ont refusé ces propositions. Donc ce n'est pas Israël qui a refusé un État palestinien, ce sont les Palestiniens et dans la foulée, la plupart des États arabes. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte qu'une des raisons qui ont conduit à ce massacre du 7 octobre, c'est que les choses commencent à s'arranger entre Israël et un certain nombre de pays arabes avec ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Et c'était un miracle, l'Arabie saoudite était sur le point de rejoindre cette union, et probablement que sous la houlette de l'Iran, on a voulu essayer d'annuler cette possibilité extraordinaire qui était la reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'Arabie saoudite. Jean-Pierre Alali, pensez-vous que dans le futur, des solutions durables et pacifiques puissent émerger ou est-ce que vous croyez qu'avec ces récents événements, eh bien, ça a au contraire renforcé les tensions existantes? Écoutez, il n'y a pas le choix. Il faudra bien qu'il y ait une solution durable et définitive. Alors, on parle beaucoup de la solution à deux États. Pour ma part, je crois qu'il y a déjà un État palestinien qui est la Jordanie, dont la population actuelle est pour 60% composée de Palestiniens. Maintenant, bon, s'il en faut un deuxième, je pense qu'on pourra y arriver, probablement en Cisjordanie, enfin en Judée-Samarie, malgré tout, le problème est complexe dans la mesure où il faudra voir comment relier Gaza et ce futur État. À mon avis, ce n'est pas pour demain, mais il faudra bien qu'il y ait une solution, soit en considérant que la Jordanie, c'est l'État des Palestiniens et que ce pays change de nom et devienne la Palestine, soit en faisant un deuxième État palestinien en Judée-Samarie, ou dans une partie en tous les cas de la Judée-Samarie, mais j'imagine mal un troisième État palestinien à Gaza, parce que quand même, un État palestinien c'est bien, deux États palestiniens elle est d'accord, mais trois États palestiniens c'est beaucoup. Donc voilà, il faudra quand même trouver une solution qui ne multiplie pas les États palestiniens. Alors, comme vous le savez, à l'international, les réactions sont nombreuses et différentes par rapport à la riposte d'Israël depuis le 7 octobre. C'était vendredi dernier, le vendredi 8 décembre, que Washington a mis son veto au Conseil de sécurité de l'ONU à un cessez-le-feu immédiat. C'était un appel du secrétaire général Antonio Guterres, soutenu par près de 100 pays membres. Alors, le texte a recueilli 13 voix en sa faveur, avec une seule abstention, celle du Royaume-Uni. Justement, lorsque vous entendez parler de demande de cessez-le-feu humanitaire immédiat, la réaction des différents pays à l'international, quelles sont vos observations? Écoutez, d'abord, je suis vraiment heureux que les États-Unis aient mis leur veto à cette résolution. Je suis très déçu de l'attitude de la France, qui aurait pu faire au moins comme le Royaume-Uni, c'est-à-dire s'abstenir. Mais les gens ou les dirigeants, peut-être sous la pression de leur minorité musulmane, ne comprennent pas qu'un cessez-le-feu n'a strictement aucun sens, dans la mesure où, si on veut aboutir à un calme à la frontière de Gaza par rapport à Israël, il n'y a pas d'autre choix que d'éliminer complètement le Hamas. Et dans ce genre de choses, on ne peut pas, donner
des limites dans le temps. On ne peut pas dire à des gens qui sont en train de faire une guerre pour éliminer un adversaire, nous vous donnons une semaine, nous vous donnons 2 semaines. Ce n'est pas quantifiable. Israël doit prendre le temps qu'il lui faut pour faire les choses correctement, en évitant le maximum, et Dieu sait s'ils le font, les pertes collatérales. On n'a vu aucune armée prévenir comme ça les populations civiles de ce qui va se passer, en leur disant de se cacher, de se mettre à l'abri, etc. C'est une pratique qu'Israël a l'habitude d'utiliser tout au long des conflits qui ont eu lieu, c'est-à-dire de prévenir les populations civiles. Aucun pays n'a pris ce genre de précaution à travers les différents conflits qu'on a vus dans le monde. Donc, moi, je crois qu'il faut laisser du temps au temps et laisser du temps à l'armée israélienne pour arriver à ses fins, et à ses fins, c'est-à-dire à l'élimination complète du Hamas dans la mosquée du Sud. Et si par hasard les choses s'enveniment de l'autre côté, c'est-à-dire la frontière avec le Liban, eh bien, Israël n'aura pas d'autre choix que de faire la même chose. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez là un tout petit pays, vous vous rendez compte, un pays de 20 000 km², la France en comparaison c'est 500 000 km², et vous avez un tout petit pays comme ça qui dispose de l'une des armées, peut-être même la plus puissante du monde, et c'est Ben Gurion qui, à l'époque de la création de l'État d'Israël, avait compris qu'il était en priorité organiser une armée. À l'époque, c'était la Haganah et c'est devenu Tsahal. Il a eu cette idée de génie de savoir que la première chose à faire, c'était de constituer une armée. Et c'est d'ailleurs miraculeux, car avant la création même, dès la création d'Israël, cette petite structure, ce petit pays avec une petite population, a réussi à tenir tête à 6 armées arabes et à les battre. Et donc c'est le miracle d'Israël d'avoir pensé à avoir une armée vraiment solide, avec une technique moderne, avec des armements modernes. Voilà, on dit toujours le peuple juif a beaucoup de cerveau, et c'est vrai que vraiment c'est en Israël que les méthodes les plus modernes au niveau militaire comme au niveau scientifique sont utilisées, et vraiment on peut être fier d'être en rapport avec un petit pays aussi brillant sur le mode scientifique et sur le mode des valeurs humaines. Alors justement, Monsieur Al-Ali, selon vous, quel rôle devraient jouer les grandes puissances internationales dans la médiation de ce conflit, et quelle initiative devraient-elles prendre ? Vous savez, quand on pense que l'ONU a à sa tête un monsieur comme Guterres qui vraiment ne sait pas ce qu'il fait, ne sait pas ce qu'il dit, c'est dramatique. Bon, ben, on n'y peut rien, hein. L'ONU, et c'est un organisme, si vous voulez, représentatif des 200 pays à peu près de la planète, et il se trouve qu'un quart des pays sont arabo-musulmans, et il est très difficile, même s'ils ne pensent pas nécessairement du bien des Palestiniens, il est très difficile aux pays arabo-musulmans de ne pas se montrer solidaires. Donc c'est très, très difficile à l'heure actuelle aux pays de la communauté internationale de ne pas être du côté des Palestiniens, parce qu'il y a cette pression à la fois des populations musulmanes qui sont souvent très importantes dans les différents pays, et à la fois des pays arabo-musulmans eux-mêmes, qui, je répète encore une fois, constituent le quart des pays des Nations Unies. Donc, voilà, je crois que pour que le monde adopte une position plus équilibrée, il faudra simplement
que face à la victoire israélienne qui ne fait aucun doute, ces pays prennent, disons, les choses comme elles sont et réalisent qu'il n'y a pas d'autre moyen que de comprendre qu'Israël est dans son droit le plus absolu, et qu'il n'a fait que se défendre après le pogrom du 7 octobre. Je crois qu'aucun pays n'aurait laissé passer ce genre de choses sans rien faire. Quand on voit les conflits à l'heure actuelle dans le monde pour des motifs beaucoup moins louables, qu'on pense au conflit entre la Russie et l'Ukraine par exemple, les motifs de courroux de la Russie ne sont pas aussi importants que ceux qu'Israël est en droit d'avoir après cette catastrophe du 7 octobre. Donc voilà, je crois que la communauté internationale finira, malgré des pressions, par comprendre le droit d'Israël à agir comme il agit. Alors, puisqu'on a parlé un petit peu aussi des manifestations, etc., les différentes réactions des citoyens du monde entier qui ont souvent un impact significatif sur la perception des événements, comment est-ce que, Jean-Pierre Alali, vous évaluez l'influence des mouvements sociaux et des opinions publiques internationales en lien avec les récents événements et surtout sur le conflit israélo-palestinien ? Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Toutes ces manifestations, si vous voulez, sont faites soit par des musulmans qui naturellement ont une tendance à être favorables aux Palestiniens sans essayer de comprendre le problème dans le fond, et aussi de gens qui, soit par lien familial, soit par amitié, participent à ces manifestations à travers le monde sans vraiment connaître le problème. Israël a un énorme travail, disons, de relations publiques à envisager. Bon, ils ont d'autres chats à fouetter à l'heure actuelle, mais un énorme travail de relations publiques pour rétablir les vérités. C'est pas évident de faire comprendre au monde que finalement Israël est revenu sur sa terre, et fort heureusement d'ailleurs, depuis qu'il y a quelques milliers d'années Israël a perdu son indépendance, dans le territoire qui était l'Israël ancien, par miracle, il n'y a jamais eu aucun État qui se soit installé. La région qu'on appelle Palestine, si vous voulez, a été occupée par toutes sortes de gens, hein, depuis le royaume franc de Jérusalem aux Anglais, aux Turcs, etc. Mais jamais un État constitué ne s'est installé, sinon Israël n'aurait jamais pu revenir. Il ne faut pas oublier que le territoire actuel de l'État d'Israël a été acheté mètre carré par mètre carré par le Kerem Kayemet d'Israël, l'organisme qui achetait des terres, et chaque mètre carré a été acheté par les Juifs, souvent à des propriétaires égyptiens, dont d'ailleurs l'un des plus grands vendeurs fut à l'époque le père de Yasser Arafat, qui était un propriétaire foncier égyptien, qui a vendu énormément de terres aux Juifs. Et Yasser Arafat en a toujours voulu à son père pour ses transactions commerciales qui ne correspondaient pas aux idées du mouvement palestinien naissant. Donc voilà, je crois qu'il y a un énorme effort à faire de la part des Israéliens et de la part des communautés juives du monde entier pour expliquer encore, et surtout revenir aux détails historiques, parce que les gens se contentent, disons, d'une vision qui ramène aux années 80, 90, 70, mais qui oublie comment tout ça s'est passé, qui oublie la genèse de la création de l'État d'Israël renaissant. Et donc c'est dommage, voilà, et sans oublier que les gens
ne savent pas aussi que les Palestiniens sont aussi des gens venus d'ailleurs, car on a tendance à croire, c'est Arafat qui le disait, hein, Arafat n'arrêtait pas de dire que c'était la population autochtone et qu'ils avaient comme ancêtres, disait-il, les Jébuséens, je ne sais pas ce que c'est comme truc, mais les Palestiniens, à part quelques 100 000 ou 200 000 personnes qui sont vraiment d'origine, si je puis dire, sont des gens qui sont venus du monde entier, y compris d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Imaginez-vous que quand c'était l'Empire ottoman qui possédait le territoire, ils ont commencé à s'inquiéter de voir que des Juifs revenaient sur la terre de leurs ancêtres. Et pour contrebalancer cette arrivée des Juifs, ils ont lancé un programme d'arrivée de musulmans du monde entier. Ils ont lancé un programme, les Turcs, hein, et ils ont fait venir là-bas des gens d'Algérie, du Maroc, de Bosnie, d'Herzégovine, d'un peu partout du monde musulman, en leur offrant des terres et en les exemptant d'impôts. Et c'est comme ça que ont été créés, en somme, les Palestiniens. Il ne faut pas croire que les Palestiniens sont les gens, la population autochtone du pays. C'est une population qui est composée de toutes sortes de gens qui ont été amenés du monde entier pour contrebalancer la présence des Juifs. Alors, je suis tombée sur une citation dernièrement et je voulais savoir ce que vous en pensiez. C'est une citation d'un anonyme qui écrit, je cite, « Le Hamas se soucie des Palestiniens autant que la République islamique se soucie des Iraniens, le Hezbollah se soucie des Libanais et les Talibans se soucient des Afghans. » Que pensez-vous, Jean-Pierre Alali, de cette citation ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Pour ma part, personnellement, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai une admiration énorme pour l'Iran, parce que c'est un pays qui m'est très cher. Quand j'étais étudiant, tous mes amis, c'est accidentel, mais c'est comme ça, tous mes amis étaient des Iraniens qui vivaient en France, et ils m'ont donné vraiment l'amour de l'Iran. J'ai appris à parler un petit peu le persan. Et je suis vraiment effondré de voir que l'Iran que j'aime, qui est un pays merveilleux, est aux mains d'une série de gens complètement débiles qui n'ont, à la limite, qui n'ont rien à voir avec l'Iran. Je crois que les ayatollahs n'aiment pas leur propre pays, n'aiment pas l'Iran. Ils sont en train de pousser à la destruction de ce tellement beau pays, vous voyez. Et donc c'est pareil pour tous les autres que vous avez cités. Je suis persuadé, effectivement, et les gens qui ont dit ça ont raison, que le Hamas n'aime pas les Palestiniens. Parce que si on aime les Palestiniens, on ne fait pas tout pour que ces Palestiniens disparaissent, car c'est ce qui est en train de se passer. En attaquant Israël sauvagement, on attaque par, disons, de manière détournée les Palestiniens eux-mêmes, et etc. Hein. Donc je crois qu'il existe, hélas, dans le monde, des mouvements politiques ou religieux qui vont à l'encontre de leur propre peuple, à l'encontre de leurs propres semblables, et c'est incontestablement le cas de différentes figures que vous avez soulever, la personne qui a dit ça a tout à fait raison. Alors, vous avez parlé de votre amour pour l'Iran, et il y a aussi en Iran pas mal de personnes de confession juive. Dernièrement, je suis tombée sur le témoignage d'une israélo-persane vivant à New York, Nathalie Sanandaji, qui a survécu au massacre du Hamas lors du festival de musique israélien. Alors, elle a déclaré qu'elle ne se sent toujours pas en sécurité après son retour chez elle, donc à New York, en raison de l'augmentation des actes antisémites exposés lors des innombrables manifestations qui ont éclaté donc depuis le début de la guerre. Des témoignages comme celui-ci, il y en a encore pas mal que je lis aussi dans les journaux et sur Internet.
ce ressenti des Juifs se sentant plus en sécurité dans leur pays actuel, souhaitant retourner en Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos observations par rapport à ça? Mais écoutez, c'est quelque chose d'incontestable. Le problème est le même en France où les Juifs n'osent plus se mettre à l'extérieur avec une kippa, où les synagogues sont sous la surveillance accrue de la police et des services de sécurité de la communauté, où les gens n'osent plus arborer une Magen David. Et c'est hélas à l'heure actuelle le cas également aux États-Unis, comme vous l'avez fait remarquer, ce qui est véritablement dramatique. Bon, cela va entraîner incontestablement un départ, à mon avis, dans les mois qui viennent, un départ massif de Juifs en direction d'Israël. Hein, donc, à la limite, ça va être du pain béni pour Israël qui va pouvoir augmenter sa population juive. Mais bon, c'est un phénomène incontestable et général. Il y a ce qu'on appelle un renouveau de l'antisémitisme qui n'est plus celui qu'on connaissait de l'extrême droite. C'est même paradoxal. À l'heure actuelle, les défenseurs de la communauté juive, notamment en France, viennent surtout de l'extrême droite. On l'a vu avec les déclarations des dirigeants comme Marine Le Pen, ce qui est absolument incompréhensible. Et alors que c'est du côté de la gauche, notamment de la France insoumise pour ce qui est de la France, que viennent les attaques les plus virulentes. Donc voilà, les Juifs, bon, c'est pas nouveau, hein, tout au long des siècles, les Juifs ont connu des problèmes, mais là, il y a incontestablement un regain d'antisémitisme auquel il faut faire face, et je crois que les Juifs en ont vu d'autres et sauront tenir bon. Alors, je sais que vous êtes très occupé, on ne va pas vous garder plus que ça, Jean-Pierre Alali, même si on a envie de vous poser encore pas mal de questions. Justement, par rapport à l'actualité récente et nationale, avec Emmanuel Macron qui a souhaité fêter Hanouka dans l'enceinte de l'Élysée, je ne sais pas si vous avez suivi un peu la polémique, puisque vous êtes membre du bureau exécutif du CRIF. On a eu dernièrement la réaction du président du CRIF, Yonatan Arfi, qui a estimé que Emmanuel Macron avait commis une erreur en voulant fêter Hanouka dans l'enceinte de l'Élysée la veille au soir. Selon lui, ce n'est pas conforme à l'ADN républicain et ça affaiblit la laïcité. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Écoutez, je crois que ce n'était effectivement pas très habile de faire cela. Alors, une raison a été donnée qui n'était pas tout à fait la manifestation d'un événement de type religieux, mais une manifestation en soutien aux otages israéliens détenus dans la bande de Gaza. Bon, donc il ne faudrait pas que ça se renouvelle, parce qu'à ce moment-là, on n'en finirait pas d'avoir des demandes qui viendraient des musulmans, des bouddhistes. Donc voilà, je crois qu'effectivement, ça n'est pas le lieu pour faire ce genre de manifestation. Et à mon sens, compte tenu des protestations qui ont émané de toutes parts, dont celle dont vous venez de parler du président du CRIF, je crois que compte tenu de cela, ça ne se renouvellera pas, à mon avis. Voilà, c'est un épiphénomène qui, disons, venait un petit peu pour essayer de rassurer la communauté juive par en ces moments difficiles. Et le motif donné officiellement, c'était que c'était un allumage en soutien aux otages détenus dans la bande de Gaza.
Alors j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir une prochaine fois sur Radio Ici Maintenant pour échanger de votre dernier livre, 70 Oui, figures ce sera avec d'Israël. Raïm Musicante et ce sera avec un grand plaisir. Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût, quelques petites informations quand même par rapport à ce dernier livre avant cet échange avec Raïm Musicante? Oui, bien entendu. Moi, c'est le quatrième livre que je publie avec Raïm Musicante. Je suis moi-même l'auteur d'une trentaine de livres. Nous avions publié il y a quelques années un livre qui racontait 70 figures d'Israël, c'est-à-dire des Israéliens en somme, et nous nous sommes dit que ce serait sympa de faire quelque chose autour de figures non pas d'Israël, mais du monde juif. Et nous avons donc choisi d'intituler ce livre Les Magnifiques, et qui raconte la vie et les exploits de juifs à travers les siècles et les pays. Et j'espère que nous pourrons, avec mon ami musicante, vous en parler plus en détail dans une émission spécifique. Voilà, c'est un livre qui parle des héros du peuple juif à travers les siècles. Eh bien, avec grand plaisir, quand vous voulez, on organisera ça pour très prochainement. Jean-Pierre Alali, est-ce que vous souhaitiez ajouter autre chose, une petite conclusion, un dernier message que vous avez envie de transmettre à nos auditeurs et auditrices? Ben, je leur dis d'être à l'écoute de Ici et Maintenant, qui est l'une des meilleures radios de la chaîne française. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt, Jean-Pierre Merci à Alali. vous, merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir.